Flawen, salam alaikum, bonsoir à tous. J'espère que vous êtes bien. Nous allons essayer de nous rendre la vidéo et de nous avoir les dernières informations liées au club, les arrivées, les départs, les promotions qui étaront dans le secteur de la JSK. Au cours de la vidéo, je me rends à des vidéos plus longues que 7 minutes à peu près parce que Zaramouk, Algérie Télécom, j'ai déjà une vidéo, ça dure très très longtemps, la connexion est merdique, c'est insupportable. Donc, on essaie un petit peu de faire ça rapidement. Je vous souhaite de t'abonner à la chaîne, j'aime la vidéo en plus, je vais vous sur les réseaux sociaux, Facebook et tout, les liens dans la description. Je vais vous directement le sujet nord. La JSK, la politique, se vend un petit peu plus ces derniers moments, depuis la fin de saison. Il dit on n'avait pas compris, on n'a pas compris, mais on voulait remplir la patte de cette politique. Est-ce que c'est venait d'un da? Il y a des joueurs qui sont renouvelés, il y a des joueurs qui sont promus, il y a des joueurs qui sont recrutés. Presque 99% pour ne pas dire 100%, c'est tous des jeunes. La Winnequick Coronis a 24 ans, donc la politique Sven, c'est recruter des jeunes sur tous les postes, dans tous les domaines et à long terme, avec des contrats à long terme. Dans Noëlan, Tarwazon, c'est le minimum de contrat. Le renouvellement, il n'a pas de salaire de l'annoncer, dans les journaux. La presse, les réseaux sociaux vont vers une libération. Miki Desch qui signe un nouveau contrat de 2 ans. Et Yagine Poussine, Ilyes, le joueur de recruter la JSK de l'US Maounis, a 19 ans. Hadouch Ilyes qui sera prêté parce que Karoum plus Miki Desch, ça a 2 jeunes. Il a de l'avant, surtout Karoum, Miki Desch, les deux Yagine. Dans quelques années, ma gardien de la JSK, ma fait un temps de jeu, ma gentil de l'avenir régulièrement, sur une défense prometteur mais exceptionnelle, parce que Karoum, il a des qualités, Miki Desch, il a aussi des qualités, on l'a vu, même si voilà la chance, il a dit oui. Donc, un joueur prêté, la JSK, ça, la politique qui est la politique qui est prêtée des jeunes. Pour de l'expérience, je suis allé dans quelques années, je suis allé à Tafni, je suis allé à René. Donc, les jeunes. Alors, on est vers de bons clubs de première division. Dans une année, dans 2 ans, je suis allé à l'équipe à Sion, une certaine expérience. On est allé à la promotion à la première équipe, la promotion de Nassim Ben Houda. Arrière gauche de l'équipe senior, les joueurs du Sen, Benchekar, le gardien Mastin, l'autre latéral milieu de terrain offensif, Itsoulin de l'antique la JSK. Il y a plus de 7 à 8 joueurs qui sont montés en senior. C'est une très bonne chose. Ça veut dire, premièrement, que Kavel, c'est vrai, il y a les licences pour beaucoup de joueurs, mais Kavel, on aura une politique de jeunes. Après, à la fin de la vidéo, on va faire rapidement. La recrue phare, c'est Boujlel Ahmed Mohamed. Hein? Mohamed Ayoub, un nom qui nous rappelle Cheikh Omar Dabou, qui s'appelle Hajj Cheikh Omar Suleiman Dabou. C'est un attaquant qui marque 14 buts, il y a eu Saint-Cyr Borg, qui a 18 ans, qui a fait 18 ans récemment. C'est un international U17. C'est un attaquant dans tout le monde. Mkaru, le défenseur, tout le monde dit que c'est un futur prodige. Donc, je vous le dis, il ne faut pas le cramer. Il a qu'à Saragan. Il a qu'à la chance, mais il a qu'à psychologiquement dans l'utilisation d'un talent. Il faut lui donner la chance, mais si jamais les matchs entrent dans la pression, si jamais il met les affaires, il va s'adapter, il va claquer quelques buts, il va entrer dans le bain, mais il va te donner satisfaction à long terme. Je vois le Guinée qui a signé pour 5 ans via la JSK. C'est une très très bonne chose. Le dernier sujet, c'est le sujet. On pose des questions
des chiens sportifs d'orienter de la libération de Farahi. Pour quelles raisons? Raisons salariales, raisons médicales, je ne pense pas. Et Guinea Wanted, c'est la direction qui va s'expliquer. Nous avons dit que les explications sont les salariales et Farahi. Il y a une explication, en ordre, la direction a des sorties de donc tu m'as dit qu'il y a une aide, ou qu'il y a une aide, voilà. C'est uniquement, il faut toujours rester sur les sources. Pour les citer, parce que nous sommes à l'avance, le DEF qui dit que Farahi il a été libéré, qu'il a demandé beaucoup d'argent, il faut de la source, il faut de l'information. Il faut de la source, journalisme, dans le cahoua, il faut de la source, quand même. Et voilà, c'est tout. Donc les jeunes à Guinée, ils sont là. Parce qu'ils ont tous été formés, dans les catégories des clubs, dans les catégories de la JSK. Le seul point ici, c'est est-ce qu'ils peuvent, avec la JSK, c'est un club qui a de la pression, est-ce qu'ils peuvent réussir? C'est la question qu'on se pose. Ou la pression, c'est les supporters. Il y a des gens qui ont gagné. Mais c'est la dictature du résultat. Comme ça peut marcher, comme ça peut pas marcher. Mais on va sur la dictature des résultats. Mais on va sur la dictature, sur la philosophie. Un petit peu le football, ils vont réussir. Parce que c'est le cas de l'Ouax. Tu vas les suivre. Une année, deux ans, dans ta trois saisons, hein, sur l'équipe exceptionnelle. Donc voilà. Tu as un World War One. Est-ce que la recrue qui vous a plu, qu'est-ce qu'il leur manque pour réussir. Si vous êtes abonné à la chaîne, vous pouvez me liker la vidéo, mais également dans les réseaux sociaux, sur Facebook, sur toutes les plateformes. Merci.